Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité ou avec équipe TVK et Blad et Bombado Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Jodi a nous pas développer 4 grands points pour nous dans l'information. Mais avant nous faire ça, équipe TVK et Blad encore, voulez remercier tout le monde qui toujours branché TVK pour information pays. Et un gros remerciement avec ça. Toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici, dans Bombado Police, équipe TVK et Blad, nous apprécions ça. Et si c'est la première fois visiter nous, qualité information nous partager intéressant, ou capable toujours abonner avec TV Caraïbe et puis pas oublier ouvrir chaîne notification pour capable faire partie équipe notification TV Caraïbe. Chaque fois nous postons une vidéo pour capable joindre sans problème. Et ça t'a impressionné nous en pile sous t'es capable aider nous grandir chaîne là. Et bien nous pas perdre du temps, n'a dérouler avec information yo en ouais. Porte-parole PNH la commissaire Michel-Ange Louis Jeune. Dans la direction centrale police judiciaire, présenté bilan opération PNH mené sorti 15 pour arriver 30 décembre 2019. L'autre information nous gagne pour vous, président association professionnelle magistrat souhaite gagner une réforme qui fait dans la justice là pour l'année 2021 pour permettre justice là vienne indépendant. Et nous voulons partager ensemble avec vous tout, président parti PHTK souhaite acte politique, économique et social joindre. Yon entente pour Chita Palé pour développer PIA pour 2020. Directoire national mouvement organisation populaire pour yon nouvelle alternative MOPAN fait qu'on est opposition pas gagné un bilan positif pour année 2019 là. Et bien ces informations ça nous porter pour avec plaisir l'autre. Nous pas perdre temps, n'a commencé coulier. La police n'a pas de presse et rivé ses deux armes à feu. Et la police n'a tabar et saisi la police Léogan saisi yon l'autre, la police n'a Kay Jacmel saisi yon. Donc c'est au total 6 armes à feu que différentes unités de patrouille et n'a 4 interventions de police judiciaire que yon fait parce que yon fait prévention tout, mais pas oublier chaque fois yon trouvé une situation pour yon arrêter yon moun. C'est des actes de police judiciaire que yon posé et c'est 6 en tout. Et que la police patrouille yo et différentes unités de patrouille yo arrivé saisi. Gantou nan Croix des Bouquets, n'a gardé 3 messieurs sa yo que la police est se présenté ba nou là. C'est Merville Jean Rouni. Merville Jean Rouni et que nous voilà nous se gardé là qui en maillot rouge, t-shirt couleur rouge qui était sous l'IA. Monsieur ça, c'est un monsieur qui était impliqué dans un cas de kidnapping d'un mineur de 11 ans dans Kesrof. Et enlèvement ça et séquestration suivie de rançon ça, j'en dis non, il est fait dans Kesrof en date du 19 décembre. Une fois la DCPJ était saisie, il y a différentes unités, tant que cellule contre enlèvement, tant que SWAT, BLTS, BRI, qui c'est Brigade de Recherche et d'Intervention, ensemble d'unités ça y est, sous un commandement unique, et côté où tu travailles sous dossier ça et sous plusieurs autres dossiers qui gagnent pour eux avec enlèvement, séquestration qui suivi des demandes de rançon. Et c'est comme ça, le 21 décembre, d'accord, ensemble d'unités ça y est, tu as arrivé libéré jeune mineur ça de 11 ans. Que nous gardons, nous ne pas parler de lui. Et dans la même jour, nous, Jordani Boujo, j'en dis non, après le joindre arrestation. Alors c'est Jordani Boujo qui est impliqué dans quatre dossiers. Ça. Et dans le cas de bouquet toujours, gagné Bertonal Augustin. Bertonal Augustin, il était habillé en gris et bleu. Il était en gris et bleu. Et monsieur ça, il a arrêté avec une machine qui n'a pas aucun pièce là-dedans du tout et il y a plusieurs côtés en dedans machine ça qui gagne plusieurs numéros qui falsifiés et que enquêteur et police judiciaire dans le département alors dans la commune là a pris des dispositions pour permettre que vous retracer machine ça garder pour les communes qui ont des machines qui perdu soit qui était porté plainte ou dans qui mesure que machine ça était arrivé en possession citoyen ça d'autant plus que en pile plainte et commencer à arriver joindre et citoyen ça comme moun qui t'a gagné pour avec un équipe bandit qui baille tête yo non et la mort sans jour et dans zone Gantier et plus
plus précisément dans la zone Papaye. Et c'est là que la police, d'après la Croix des Bouquets, d'après procéder à l'arrestation de M. Sa. Gagné tout Bertonal Augustin, gagné Mirville Jean-Rouni, Valbonard Jeff, et deux derniers messieurs ça yo yo t'a pral arrêter yo pour braquage et y a braqué moun ralé zam sou yo et puis mandé yo pour yo payer yo et droit de passage etc. Donc la police est intervenue et que il était procédé à arrestation monsieur ça. Yon nan ka me pense que en pile moun attend c'est cas qui concernait monsieur Larco. Fòm di nou bien moi attendé en pile moun a parler de ça pour qui ça. La police pas de gain temps et présenté à la presse et situation monsieur Dumont Larco. Eh bien femme dit nous toute opération pas faite même gens gain des opérations qui prend plus de temps et pour faire les mais ça qui plus important c'est river bay population bonnes informations et bay les en tant que information elle disponible. Donc c'est pas parce que on raison l'autre en coup plusieurs commentaires fait mais en tout cas nous nous t'ai quitté ensemble d'unité ça yo pour te gen sérénité yo côté yo te accompagner la justice du peuple pour te capable mener opération ça. C'est une opération qui menait 24 et 25 décembre. Pas oublier contexte là. Nous en situation de plan de sécurité pour fin d'année avec nouvel an qui vient corroborer avec plan d'opération toile d'araignée ya et n'a regardé pendant moun a fêté ensemble d'unité yo même y a travail. Et c'est comme ça, 24 avec 25 décembre, accompagné de la justice de paix, ensemble d'unités Saoumzo Dinola, SWAT, BRI, BLTS, brigade criminelle là, en fait, dans le DCPJ, était impliqué dans l'opération ça. Et Dumont, M. Dumont Larco, et pour rejoindre l'arrestation suite à perquisition et que vous avez fait en Dakaïli, côté où plusieurs fusils et plusieurs pistolets. Et plusieurs autres armes de calibre différents. Donc, il y a pas procédé à l'arrestation. C'est 37, c'est 27, pardon, 27 fusils et d'assaut que la police rivée saisit dans le domicile M. Larco. 27 fusils d'assaut, 9 pistolets, 3 revolvers. C'est ça, nous sommes gardés là. 27 fusils d'assaut, 9 pistolets, 3 revolvers. Ça va en tout 39 armes à feu que vous saisi seulement la caille M. Larco. Pas oublier tout à l'heure, nous avons parlé de 6 lots que différentes unités de police ont été saisies dans 4 patrouilles et que vous avez fait. Donc, sorti 15 décembre, à côté de la palais là, c'est en tout 45 armes à feu, 39 dans le domicile M. Larco et 6 lots. Et dans la rue, ça va être au total 45 armes à feu que la police saisit dans cette période de temps. Ça veut dire sorti 15 décembre à date. Et Pablo Jean dit nous que c'est en deux temps que l'opération a été menée. Dans samedi, côté nous avons un conteneur qui a gagné plusieurs lots matériels en dedans, munitions, armes. Et que la justice de paix te pose scellé dans yo et puisque l'opération a pas continuer et dans 25 décembre. Donc dans un premier temps, yo te joine 271 chargeurs de différents calibres. Dans un second temps, yo vinn joine 53 autres chargeurs de différents calibres pour toute quantité d'armes, moi sou parler nous là, fusil, revolver, pistolet, etc. Ensemble de armes nous sommes parlé là. C'est au total, pendant deux séries d'opérations, 324 chargeurs de différents calibres que vous saisi la caille M. Larco. Et c'est au total 43 301 cartouches de différents calibres que la police saisit la caille M. Larco. Après ça, on a plusieurs autres matériels. Yo joine 50 billets de $100 américains. Yo joine gilet tactique, deux gilets tactiques, deux couteaux de combat, 14 sachets de cartouches en billes, 6 gaz lacrymogènes de marque respective, 14 étuis,
13 crosses de fusil, 6 canons pour fusil, 7 squelettes pour fusil, 12 boîtes contenant des pièces pour la réparation des fusils, 2 récipients ayant une substance en poudre et un paquet de quantité d'accessoires que la police avec la justice de paix témenait dans l'opération 24 et 25 décembre. La caille monsieur Dumont Lacour que nous sauvons là qui était habillé avec t-shirt couleur blanche et pantalon couleur grise. Jean nous dit à opération toile d'araignée là l'a continuer faire route li plan d'opération de fin d'année là l'a continuer faire route li pas oublier de dire nous plan d'opération ça l'a fini le 7 janvier puisque il concerne essentiellement les fêtes de fin d'année et du nouvel an. Et opération toile d'araignée pour sa part, la continuer et faire route pour permettre que la police rive combler dans une certaine mesure, ou du moins dans une très large mesure, les attentes et de la population qui parle l'autre que sécurité, sécurité, sécurité. Année qui était vraiment bouleversée parce que crise politique là a eu des impacts vraiment négatifs sur le fonctionnement système là. Et remarquez bien, c'est depuis et février, parce qu'en février, nous avons fait une quinzaine de jours paralysés, et pour prendre un grand magistrat en mois de mai, qui était fait 2 semaines, mois de juin, et qui était paralysé par mouvement politique, et avec des problèmes de carburant, etc. Et puis, pour nous venir arriver dans le mois de septembre, et qui pourrait causer de dysfonctionnement quasi total, et toute juridiction, et pour arriver jusqu'au début du mois de décembre. Donc, à cause de crise politique là, gagnons et en pile juridiction qui pas privé faire assise criminelle, soit avec assistant de jury ou bien sans assistant de jury. Et à cause de bouleversement, donc gagnons moins dossiers civils qui tendaient, de moins dossiers correctionnels ainsi que dossiers criminels qui tendaient. Donc, bilan pour tribunal, il n'y a pas grand-chose, parce que crise politique là était pour le système judiciaire là en otage par rapport avec le fonctionnement. Et pendant l'année, ça tout, nous regrettons que malgré toutes les crises que nous avons fait au niveau de l'exécutif, nous rendons compte que le président n'a pas fait, pas accordé trop d'importance avec la question du renouvellement mandat magistrat. Pendant que gagnant une quarantaine de mandats qui méritaient renouveler, qui dans l'exécutif là, il y a des dossiers qui dans depuis 2015, qui viennent joindre le président Jovenel Moïse, qui traversait jusqu'à 2019 là, par l'an 2020, dossier ça n'a pas jamais renouvelé mandat juge. Il ajoute avec un pile l'autre juge, mandat arrivé à terme, mais que CSPJ pas capable de voyer dossier à l'ébaïque là, en raison du fait que bon quantité de dossiers déjà, qui sont en quarantaine, qui ne peuvent jamais traiter, qui dans l'exécutif là. Et pendant l'année, ça tout, nous sommes obligés à fonctionner avec, on offre encore avec un budget de 1% du budget national, un budget qui est attribué à CSPJ, hein, parce que, et à cause des aléas politiques, yo, et mauvais fonctionnement parlement, et nous pas arrivé qu'on l'autre budget, et c'est un budget qu'il a depuis 3 ans. Et 1% au débat, dans le budget avec CSPJ, pas permettre que CSPJ réponde avec différents besoins gagnés en termes de matériel roulant, matériel de travail. Et sans oublier état mauvais état et espace de travail. Malheureusement, nous commençons encore avec un même budget ça, pas capable de répondre avec besoin alors que besoin vient plus toujours. Donc c'était vraiment une année de grand bouleversement politique et qui a un impact sur différentes institutions de la pays, hein, mais en particulier sur la justice. Et nous regrettons que et situation ça, lui la cause en pile monde, l'état coupé dans prison, sans qu'il n'y ait pas une chance pour juger, sans que le dossier n'est pas privé, tendé en temps raisonnable, et non à attirer l'attention tout sur le fait que nos juridictions dans le tribunal de première instance de Port-au-Prince, c'est environ 4 mois, elle n'est pas même capable de fonctionner, non seulement problème crise politique, mais également à cause de l'insécurité qui envahit l'espace. Et puis, centenaire, là, côté tribunal, la loge. Nous, sommes vivons l'année 2019, quand même, et avec système judiciaire, tout ça, le gagné. Donc, nous, pas de cas, siéger, on, ensemble de dossiers qui en souffrance, gagné un jugement d'arrivée à terme, ça veut dire que,
Pendant ce temps, population carcérale a augmenté, juge la loi dit une quantité de temps, juge d'instruction pour le travail, pour rendre ordonnance. Ça veut dire n'a pas entré en 2021 avec un ensemble de charges qui était déjà pour résoudre. Tout le monde nous a rentré dans l'année 2021 avec vous. Bon, c'est bien malheureux parce que c'est justiciable qui a des dossiers devant la justice. D'après tant nos décisions, malheureusement, ça prend temps et beaucoup de gens ont une décision. C'est tout le monde qui est en prison, qui dossier enquête a fait ce dossier pendant ce temps. En plus, le dossier a augmenté dans le cabinet d'instruction, mais il y a un peu de mandat à juge d'instruction pour parler de renouveler. Et juge d'instruction qui est en juridiction, il a chargé le dossier dans la main. Et en même temps, donc, Mounsayo est obligé à payer les conséquences de mal fonctionnement de la justice et de toutes les aléas et conséquences aléas politiques. Donc, pour l'année 2020, c'est même bagarre, parce que nous sommes commençons en année fiscale en octobre là, qui c'est toujours le même litière, donc c'est le même problème pour matériel de travail, pour matériel roulant, il va exister encore pendant 2020, ou bien si ce n'est que pendant partie dans 2020, en attendant que nous nouveau budget au pays. Le même problème structurel, problème dysfonctionnement, nous avons commencé avec en 2020, avec tout risque qui gagne sur le plan politique d'instabilité, qui est capable notre fois encore d'affecter et travailler la justice. Pour l'année 2020 là, et pour le système judiciaire, qui ça nous espérer au moins pour justiciable eux-mêmes qui a dit bon là, et justice là, et pour les gens qui souhaitent là? On a espéré sur le plan politique qu'on calme, qui est à peine à ce que les institutions ont commencé plus ou moins à fonctionner. Mais bien que ça qui n'a pas fait en profondeur, là, non pas tel que la pièce a fait en 2020, c'est un véritable réforme dans la justice pour permettre à ce que l'organe parquet soit indépendant, pour ne pas sous compter le pouvoir exécutif, qui est capable d'instrumentaliser à n'importe quel moment, qui est capable de faire travail de poursuite, et de réponse par rapport avec un ensemble d'infractions de crimes au niveau de l'État que la population a fait une réponse pour eux. Et pour ta doter commissaire de statut ça, il faudrait que tu aies un amendement dans la Constitution, pour que tu aies une loi et qui modifie surtout la loi sur statut magistral, le décret 95 qui organise la justice, il faut modifier tout. Donc ça permet à ce que nous avons sorti de commissaire du gouvernement avec procureur de la République et avec de l'autre statut côté que tu es capable indépendant ou du moins se mettre sous contrôle des CSPJ côté que tu es capable de gagner autonomie ou bien indépendance dans le cadre de travail, pour ne pas révoquer à tout moment, pour être capable de poursuivre quel que soit le monde qui commet infraction. Et s'il le sait, véritablement, la justice capable d'être indépendant et faire travail. Nous t'as souhaité tout, et même, comme bague parlement libre et dysfonctionnel, nous t'as bien aimé pour que t'as gagné une modification de loi, nous sommes parlé là, pour t'as permettre à ce que le questionnement d'un juge, ce problème, ça résout une fois pour toutes avec des nominations jusqu'à la de la retraite ou bien pour que le mandat juge soit capable de renouveler automatiquement. Mais c'est dans la loi pour faire ça, le changement de loi, le changement de la constitution. Mais comme nous voyons que c'est le Parlement qui a dû faire, mais pendant l'année 2020, nous n'avons pas bien Parlement. Donc, nous capable de véritable changement pour faire, il est loin. Mais en attendant, c'est un grand nouveau budget qui est capable plus ou moins prendre en considération différents besoins système là. C'est pas plus ou moins alléger, améliorer le service qu'a la population. Mais travailler en profondeur, ça prend temps et ça demande une volonté politique pour que nous capables de vivre avec une justice qui est bien chita et qui est véritablement indépendant. L'année 2019, là, c'est très difficile pour tout le monde, pour maman, papa, petite, pour père de famille, pour élève l'école, pour son année qui était très, qui nous était en pile difficulté. Il y a eu une manifestation. Le peuple a revendiqué. Pendant que la revendiqué, il y a des manifestations qui viennent, il y a violence là-dedans. Et donc, il y a barricades, il y a pays lock, un ensemble d'événements qui marquent nous, qui marquent la vie nous, qui marquent la vie petite nous. Parce que pendant que les manifestations légitimes, le monde qui a manifesté la démocratie, mais t'es l'autre bagaille qui vient transformer manifestations en actes de violence qui deviennent insupportables et notamment pays local qui fait que
pays a perdu en pile business fermé, en pile monde perdu job yo, en pile l'école fermé, ti moun pa ka l'école et donc malérak malérès ti pa kap vivre jour le jour, te vin passer 2-3 mois yo pa ka fonctionner. Bon, ensemble de problèmes et puis en plus et gen on des problèmes sociaux qui viennent poser dans le pays a, en termes de monde qui l'en insécurité alimentaire. Donc ça vient faire que l'année 2019 là son année pour nous lier vite parce que t'es gain trop de difficultés pour nous mêmes comme et maman papa petit et père de famille et citoyen. Et c'est ça fait n'a souhaité que nous entrer l'année 2020 en l'autre gens avec une autre perspective, avec un autre état d'esprit et surtout avec une autre façon pour nous poser problème politique et résoudre problème politique. Il y a des échéances politiques qui attendent nous en 2020. Il faudra de faire élection en 2019, en octobre 2019, nous pas faire. Donc ça va le faire que il y a un parlement, chambre des députés qui a dysfonctionnel parce que chambre des députés a mandat au fini. Bon, et le Sénat gagne à peu près en 10 et 19 sénateurs qui ont allé tout, suivant le cas. Donc ça, c'est bagage qu'il faut discuter. Et donc, nous croyons que gagne des échéances politiques qui attendent nous et que nous sommes obligés de faire face à eux. Mais ce n'est pas seulement des échéances politiques, nous gagne aussi des bagages qui attendent nous dans l'année 2020 parce que le pays n'est pas un problème politique seulement, il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes sociaux. Nous avons toute économie qui a rappelé que l'indicateur économique du pays n'est pas bon. C'est-à-dire nous avons un PIB qui est négatif, ça veut dire que nous pas produit richesse pendant que la population a augmenté. Plus l'on pas produit richesse et puis la population a augmenté, c'est pauvre dans une plus pauvre. Et pays lok la te vin fait que gon bonne petite entreprise qui ferme, qui détruit, gon appareil de production, donc que ce soit production nationale, production industrielle qui était faible, production même agricole vin faible, donc gon ensemble de monde, gon ensemble de monde qui parle en insécurité alimentaire. Il y a de plus en plus de monde qui parle en grand goût. Estimé à 4 et 6 millions haïtiens qui a des problèmes manger chaque jour. Donc gon ensemble de problème comme ça, qui pas seulement problème politique, et c'est ça qui fait nous pas l'obliger chercher un gens pour nous et pas seulement faire un accord, faire discussion avec des hommes politiques, mais intégrer l'autre force vive dans le pays, les forces économiques et les forces sociales en grande discussion, pas l'obliger de joindre l'année 2020 pour ne pas pour nous capable de jouer une solution et jouer un consensus pour nous résoudre les problèmes de fond qui pas seulement problème politique mais des problèmes économiques et des réformes qui pour faire dans le pays là pour nous joindre nous gens pour faire tout pour nous chita ensemble pour nous faire. Mais par rapport à la situation nous là, nous regardons une croissance économique négative moins 0%, ouais inflation atteint un seuil de 20% sans compter ça que la produit. Maintenant qui gens nous pensons nous faire pour bloquer l'hémorragie ça et nous cas un véritable relèvement économique. Ah ben c'est ça que fait nous-mêmes nous penser que c'est pas problème, c'est pas homme politique seulement pour nous mettre chita sous table discussion, c'est pas des problèmes. Et qualité problème pays à gagner, les réformes économiques qui pour faire, réformes qui pour faire la fiscalité, nous gens la gouvernance et financière pays à, donc ça a demandé pour politique, force politique, force économique et force sociale, yo chita ensemble, discuter pour nous joindre qui meilleure façon pour nous assurer une bonne gouvernance pays dans les prochains, pas dans ces passés, donc pendant 2020, même au cours des prochaines années. Nous gagnons aussi nécessité, tout le monde reconnaître les pays a des problèmes là avec des problèmes qui posaient la constitution. Est-ce que tout le monde est d'accord pour faire aménagement, réforme constitutionnelle? Bon, comment nous pourrons le faire? Qui consensus nous avons? Qui forme de régime nous pourrons adopter? Donc, tout ça, nous pourrons demander discussion
Et c'est ça que fait nous penser que l'année 2020, la papote année 2020, faut que nous joignons un gens pour tout le monde, chita ensemble, pour nous lancer discussion, pour nous faire un accord politique, pour nous accompagner l'année 2020, faire face à problèmes politiques et problèmes économiques et problèmes sociaux et problèmes humanitaires qui pourraient poser le pays à l'année 2020. Président, nous allons entrer dans 2020, mais nous allons entrer dans 216 ans indépendance de ce pays. Nous allons avec ça. Comme turbulence politique qui j'en ai célébré 216 ans. Bon, nous-mêmes, nous ne connaissons pas nouveau la caille, nous habitués à la turbulence politique. Malheureusement, nous sommes son sport national, nous célébrer fête indépendance nous dans la turbulence politique. Bon, et moi-même, personnellement, comme citoyen, m'a souhaité que nous fêtions ça dans la paix, dans la sérénité, dans vivre ensemble. Mais il y a tellement de problèmes dans le pays que il y a des gens qui pensaient que c'est le moment pour eux pour attirer attention sur problème et faire valoir revendication. Ils ont utilisé cette fête nationale pour faire valoir revendication. C'est malheureux. Mais c'est qu'on s'allie, mais nous souhaitons tout simplement que après 1er janvier, 2 janvier, dans les premiers jours du mois de janvier 2020, que y ait des forces politiques, économiques et sociales dans le pays yo chita pour résoudre définitivement les problèmes qui vont le poser en 2020. Parce que ce n'est pas un problème politique seulement. Il est trop profond pour nous quitter ces hommes politiques seulement pour aborder et le résoudre. Puiser dans l'esprit des ancêtres, les ancêtres ont mené des combats militaires, c'est-à-dire un ensemble de batailles militaires que ont gagné, à commencer par la bataille de Vertières qui permettent qu'on débouche sous indépendance là la période ça là nous t'a dit grand pile combat de Vertière pour nous mener encore et pour nous réanimer tête nous même comme petite Christophe, petite Dessaline, petite Pétion et pour nous reprendre esprit ancêtre pour nous mener d'autres combats de Vertière sur le front économique, sur le front social et sur le front politique. Et gain trop inégalité l'an pays a ça m'a dit une sorte de union sacrée pour combattre l'inégalité ça yo. Et gain trop différence entre l'an pays a et gain trop problèmes sociaux qui c'est ça pour nous transformer en des combats de Vertières. Donc nous gain pile combat de Vertières pour nous mener encore, mais sous d'autres formes, pas seulement sous forme militaire, mais c'est sous des formes politiques, sous forme économique. C'est ça l'esprit de ancêtre et mandé nous. C'est en ça nous qu'a inspiré nous de l'esprit ancêtre nous pour nous capables de mener combat ça qui tout aussi profond que combat et militaire là, mais sauf que cette fois-ci c'est pas avec des armes de guerre que nous avons mené nous, mais c'est avec une dialectique de paix et une façon pour nous résoudre le problème pays de façon pacifique et non par la façon violente. Donc ça que je fais, c'est que la première chose, c'est ça que fait nous demander qu'il faut que les forces politiques, économiques et sociales pays yo accepter chita ensemble pour nous poser problème yo. La première chose, c'est qu'il faut que tout le monde conscient qu'il y a des problèmes et sociaux et politiques et économiques dans le pays a. Et ce n'est pas un seul monde qui a une solution. C'est nous tous qui pour définir, faire un consensus sur qui gens n'a pas mis discipline budgétaire dans le pays a, et qui gens n'a pas assuré nous que les maigres ressources du pays pour répartir de façon équitable entre monde qui plus vulnérable et puis pour nous assurer nous que c'est pas une petite minorité qui a profité de toute richesse pays. On vient dire peuple haïtien courage dans combat y a mené pour stabilité avec la paix retourner dans pays. Ve pas nous même dans Mopane par rapport à messieurs dames opposition yo, c'est dire merci pour engagement yo te prend pendant année 2019 là. Pour te déstabiliser pays,
nan kreye an pil diversyon nan batay mas popilè a. An pil violans, augmente insekirite a, pèmèt inflasyon an augmente, retire peyi a sou kad touristik li. Pote la vi byen moun ak tout bagay ale nan mete barikad. Afebli institisyon nou yo, ferme pòt l'ekòl pandan 3 mwa. Instrumentalize jen fi ak jen gason nan mete zam nan men yo. Nap di, mese dam oposisyon, mersi. Pou galvode, pou vilipande, yo vilipande peyi ya. Alors, li pa jam tro ta pou bien fè. Mem jan nan ane 70, Président bolivien, M. Hugo Banzet et Fell, dans l'année 2000, il a demandé excuse avec le peuple bolivien publiquement. Je dis à Mopan, Vindi, à messieurs, dames, opposition, pour demander au peuple haïtien excuse publiquement par rapport avec tout Zak rasé brisé dans le sabotage radio. Non. Mettez barricade pour faire peuple à passer en pile misère. Quelle année 2020 ça, c'est une année de paix, une année l'amour, une année de dialogue, une année de stabilité en dans pays. Quelle année ça, c'est une année pour yo suspendre manipuler peuple là, n'en faire monter descendre, n'en monter faire corvée, n'en craser brisé, parce que craser brisé, pas mener pays à aucun côté. N'a demandé, yo, yon fois encore, pour yon demander peuple haïtien, excuse pour tout tort, pour tout dommage, pour tout zak que yon commet, nan pote la vie bien moun, nan tuer moun. Pour yon demander excuse pour nous capables de l'année 2020, dans la paix et tranquillité. Merci. RRODL, voyez un signal clair par le président Jovenel Moïse. Pour nous dire 2019, pas qu'à même gens avec 2020. Parce que le film Diabio, tap moutea, faut qu'il finisse. Président Jovenel, dans le discours où tu es là, où tu dit, si reste là, c'est pour le peuple là. Eh bien, moun ki nan prison yo, prisonnier politique yo, yo fait partie des peuples là. Nan sens ça, président, nous mande moun ki nan prison yo, faut jwenn justice, parce que li inacceptable, yon moun ki nan prison, li pa jwenn passer devant juge naturel li. Ça veut dire droit moun sa pas respecté. Président, ou gon kaye ki te la mort en 2019, décharge peuple la, te la mort. Et bien, correction 2020, faut qu'on fèl, parce que trois moun mouri dans le pays. En pile injustice faite, tant kou la Saline, tant kou la Tokyo, tant kou Raboto, et l'autre côté et la Trier, et bien, journée jodi a la, nous pas ka pral passé yon année côté que pour nous tomber dans même problème ça en 2020, parce que moun ki nan prison yo, moun ki nan la rue yo, policier kap bay sécurité dans pays a, docteur kap bay santé, et ben moun sa yo cette fois-ci yo di faut droit yo respecter. Nous pense bon moment qui rive peuple a bouqué, parce que li di petite parle là qui c'est petite pauvre là, petite parle là qui c'est petite riche là, faut que là l'école. Nous même en tant que monde qui a fait qui revendique pour droit monde, nous souhaitons que ni opposition ni société civile ni organisation populaire, eh bien, si pas un vrai dialogue de cohérence pour payer sa sortie dans la crise, ça, eh bien, n'a tombé l'entour plus. Eh
Mais pour ne pas tomber dans tout ça, faut que nous-mêmes, haïtiens, pour nous porter mes collègues, pour nous sortir de la situation. De ce fait, nous demandons à tout le monde qui fait partie des pays, qui comprend le problème du pays, eh bien, nous passons un vrai dialogue dans l'unité, dans la prospérité. Nous pensons que le pays a découvert une vraie vérité, un vrai dialogue pour le pays qui a sorti de la situation. Nous saluons Timachan qui est en bas de la ville, qui a crié chaque jour qu'il n'y a pas de sécurité. Nous demandons à chef la police, pressé, pressé, pour le voir, policier, à sécuriser ces machins, ça a un petit pichoy pour faire la manger, leur arriver la caillou pour petit. Nous faisons une année, nous boumons, et pas nous fait. Nous demandons opposition, nous demandons gouvernement en place. L'année qui est venue là, qui c'est 2020, il n'y a pas passé même gens à 2019. Côté, maman te gon sel petit, bataille pour pays, li mouri. Pour n'y avoir pas de doit marrer, s'il te kon fonge sa vel, nan fin d'année. Nous dit, pour doit moun respecter nan pays, il faut que la bataille qu'a fait la fini. Pour doit moun respecter nan pays, il faut que yon respecte l'autre. Nous mandé, un policier qui campé de 6h du matin. À 6h du soir, la pluie, vent, soleil, l'eau sale, tout en bas, tout sous pôle, nous demandons pour droit respecter, même j'ai droit tout le monde. Nous demandons pour le gouvernement penser avec eux, secteur bourgeoisie, nous demandons pour penser avec le secteur malheureux, malheureux. Là. Nous demandons opposition pour penser à petite malheureuse qui fait presque une année qu'à Boumé, c'est un cachette pour aller à l'école. Nous demandons pour nous mettre nous ensemble, c'est haïtien nous yé, pays pas fait monde, c'est monde qui fait pays. Pour nous mettre nous ensemble encore, pour nous bailler la main, c'est haïtien nous yé. Jour de l'indépendance nous, du partage supposé un jour de guerre, une manifestation de guerre, ta supposé une manifestation de joie. Là nous fait comme ça, nous fait colon yo chita son dodine, yap dodine, yap ri nous. En nous reste nous qu'à mettre nous ensemble. Pour les épaules, nous demandons au gouvernement pour le penser avec délégués, vice-délégués, magistrats, il pas trop tard pour le voir. Parce que il y a des gens qui sont dans le quartier populaire qui ont parlé de 2020 mais au poco well, à l'époque pour avoir un bol de soupe. Nous, les gens, c'est souffrir, souffrir de jour en jour. Vice-délégués, magistrats, le gouvernement est supposé pour faire soupe, pour les gens qui ne peuvent pas boire soupe. Yon bol soupe pour yon boue. Nous dit joyeux Noël à peuple haïtien. Nous dit joyeux Noël avec opposition, gouvernement en place là. Nous dit bonne année avec peuple haïtien, quitte riche, quitte pauvre, quitte malheureux. Nous dit bonne année avec opposition et gouvernement en place là et pour nous faire payer. Nous tous connaissons que c'est une date symbolique, son date spéciale, son date d'arrivée. Haïtiens, un peu partout à travers le monde, ont une vibration au 1er janvier. Parce que nous tous connaissons, 1er janvier 1804, le secrétaire Jean-Jacques Dessalines, lui, Baron Tonnerre, a rédigé l'acte de l'indépendance. C'était une fierté pour tout nègre qui était sous territoire ça, qui a sauté de l'étape esclavagiste pour aller vers l'étape de la liberté. Et jour ça, c'est un jour spécial. Côté tout haïtien indistinctement, toujours fêter. Et chaque 1er janvier dans le matin, nous voulons soupe joumou. Parce que après la bataille vertière là, nous avons senti que nous n'avons pas pris trop de temps pour nous faire manger. Mais soupe joumou, on représente un bagage symbolique pour tout peuple haïtien, quel que soit côté lié sous la terre. Jour 1er janvier ça, qui va arriver, qui date que 1er janvier 2020, fait nous 215 l'année. 215 l'année, ça, nous-mêmes comme acteurs politiques, au niveau de code, qui c'est coalition, organisation démocratique, la date ça va arriver sous nous, comme nous manquons 48 heures de temps pour date arriver, nous avons réfléchi
sur cinq bagages essentiels qui sont politique, économie, agriculture, éducation, culture. Même gens ou fêtent anniversaire de sans sou, ou toujours poser tête aux questions pour dire moi j'ai 40 ans, moi j'ai 50 ans, moi j'ai 60 ans qui ça me réalisé déjà dans la vie. Et ces mêmes gens peuple haïtien, moun qui a fait politique yo, moun qui a évolué dans l'éducation, moun qui a fait business, yo poser tête aux questions. Après 215 l'année, plus de deux siècles, qui ça nous-mêmes comme peuple nous fait comme profit? Nous tous connaissons, on parlait de Haïti, on parlait d'un pays essentiellement agricole. Je dis à, sur le plan économique, qui ça agriculture dans nous? Qui ça fait pour nous comme profit? C'est ça que fait au niveau de la coalition. Nous dit, année ça, c'est une année de compétition. Nous t'aimons que c'est une année de compétition politique. Pour réellement démocratie a triomphé dans respect chaque grand acteur qui a fait politique. Nous dit président Jovenel Moïse tout, continuez à faire travail pendant la respecter droit chaque grand citoyen et nous espérons année 2019 là, fini année 2021, nous avons un gouvernement qui va reprendre avec difficulté que le peuple haïtien se traverse là pour nous être capable de toucher quelque plus vide. Qui fait que l'économie en fin dégradé de la tête de nous en bas coup et nous connaissons pas ça, c'est pour nous, c'est là pour nous vivre, en nous mettre ensemble, tête ensemble, pour nous vivre la bonne, pour nous pas quitter la politique là, détruire ce qui était là. Merci. Voilà, équipe TVK et Bladi, merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là, c'est TV Caraïbe. Et toujours songez pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.